50% des joueurs arrêtent de jouer à Rainbow Six Siege. Ce résultat vient d'un sondage que j'ai posté sur YouTube, mais aussi sur Twitter, qui a été relayé par White Shark, par Susu, par One Shooter et plein d'autres. Et même s'il ne représente pas la totalité de la communauté, il donne quand même une valeur qui est assez inquiétante. Énormément de joueurs arrêtent de jouer au jeu. Effectivement, on connaît tous dans notre entourage ou des personnes qu'on a pu suivre sur les réseaux qui ont arrêté de jouer au jeu alors que c'était des personnes qui auparavant y jouaient tout le temps. Joueurs pro, streamers, youtubeurs, etc. Beaucoup d'arrêter. Sur ces mêmes sondages, j'avais également demandé pourquoi vous arrêtez d'y jouer. Et les raisons que vous m'avez données sont très nombreuses, même si beaucoup d'entre elles sont les mêmes. Est-ce que Rainbow Six Siege ne plaît plus? Est-ce qu'on arrive à la fin du jeu? N'oublions pas que nous sommes à la 5e année et que c'est quand même déjà énorme. Mais pour répondre à ces questions, je ne vais pas simplement lire vos commentaires et essayer d'en faire une déduction. Je vais plutôt vous inviter à participer à un live spécial, le Grand Débat R6. Celui-ci se tiendra ce vendredi 20 novembre à 21h en compagnie de White Shark, Susu le Vrai, Skok, Bibou, ainsi que moi-même. Et pour aller plus loin, il y aura aussi la communauté, c'est-à-dire vous qui pourrez intervenir en direct avec nous. Le but de tout ça, eh bien, c'est tout simplement de discuter avec toutes ces personnes présentes venant de divers horizons, que ce soit des joueurs e-sport, que ce soit des youtubeurs, des streamers, etc. De l'état du jeu, de ce qui a été accompli en 5 ans, de ce qui va, de ce qui ne va pas, les problèmes qui persistent, etc. etc. Mais aussi, pourquoi ce 50%? Pourquoi les joueurs arrêtent de jouer à Rainbow Six et quel est son avenir? Donc je t'invite vivement à noter sur ton petit agenda que ce vendredi 20 novembre à 21h se tiendra le Grand Débat R6. Il se tiendra ici même en live sur ma chaîne YouTube, mais également sur Twitch. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine, n'oublie pas de préparer tes questions, et je te dis à vendredi, salut tout le monde!